Je voudrais vous parler aujourd'hui du cas de 735 qui présente une lésion latérale. Ici, l'image est plutôt latéro-apicale. On pourrait même penser au début à un signe de fêlure. Et d'ailleurs, on dit que la lésion est toujours en regard du point de sortie. Alors, je regarde au scan si j'ai quelque chose qui pourrait l'expliquer, cette lésion. Et là, je vois cette sortie accessoire. Juste là. Dans les autres axes, c'est encore plus visible. Pendant que je démonte la prothèse et que je pose ma digue, je vais vous donner ma stratégie. Je compte mettre en forme le réseau canalaire, donc le canal principal et le canal latéral, uniquement manuellement. Parce que si j'utilise une instrumentation mécanisée, je risque de créer des débris qui vont diminuer énormément mes chances d'accéder au canal latéral. Comme c'est une reprise de traitement, le canal qu'on va appeler principal a déjà une forme et une dimension qui est convenable. Puis d'ailleurs, vous avez vu qu'il n'y avait même pas de lésion en apical. Donc normalement, je ne devrais pas avoir besoin d'instrumentation mécanisée. Je commence par utiliser le micro-opener, qui est un instrument manuel à 6%, diamètre 10, pour déloger le cône de Guttat. Ça, plus une lime H25. Les mains. Et de nouveau le micro-opener. Voilà. On enlève ce qui reste de Guttat. Et maintenant se pose la question de la localisation de l'entrée de ce canal latéral. Mes estimations et mes mesures sont faites sur le scan pré-op avec la prothèse. Et selon où je me place, les valeurs sont différentes. Donc je vais avoir du mal à localiser. Et je vais donc utiliser la technique soustractive. Qu'est-ce que c'est? C'est que je sais de manière sûre que cette entrée, elle est à 4 mm de la longueur de travail. Ça, c'est du sûr-sûr. Donc je mesure ma longueur de travail cliniquement, avec un instrument à l'arrêt, ici on a 17, et je soustrais 4 mm. Avant d'aller plus loin, parlons de scouting technique. Scout, en anglais, ça veut dire faire l'éclaireur, comme les petits jeunes en short. On a plusieurs limes qui servent à ça, sur le marché, comme notamment la lime C-Pilote de chez VDW, ou la lime C+, de chez Dentsply. Je vais utiliser ici une lime de chez Mani, les Flare Files, qui est une lime à 5% que j'achète chez Exando au Portugal. Je précourbe cet instrument avec une pince ortho et je me place là où je pense que se trouve l'entrée. Et juste après, du premier coup d'œil, quelques mouvements de droite-gauche, je sens une résistance. Boing. Et bingo, on est dedans. Je récapitule ensuite avec des mouvements d'aller-retour, de haut en bas, avec le même instrument, pour sécuriser le passage. Et je peux passer au diamètre supérieur, une lime 12.5 de chez VDW, lime C-Pilote. Maintenant le passage est beaucoup plus facile. Et je continue avec le lime 15, pareil, C-Pilote. Vous avez vu l'angulation de ce canal, il est quand même très peu probable que je puisse instrumenter quelque chose dedans, c'est pas le but. Donc je vais irriguer, beaucoup irriguer, et l'activer cet irrigant en chauffant l'hypochlorite à 150 degrés par plusieurs cycles de quelques secondes. Et là, on a une vue sur le latéral. Bon, il faut avoir l'œil. Hein. Là, on a l'apex latéral. On peut passer à l'obturation, à chaud, sous pression, avec beaucoup de ciment, peut-être un peu plus que de raison. Mais l'idée, c'est vraiment que ça fuse.
la descente d'abord. J'insiste hein, sur là où est mon entrée latérale. Même si on voit rien de spécial, et la remontée. Et le résultat est plutôt sympa. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt sur Dental Espace.